Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. Oui. La personne est d'accord pour avancer avec toi. On a une personne qui se voit communiquer davantage. Une personne qui se voit, j'ai envie de dire, faire évoluer votre relation. On a une personne qui est en train de se mettre d'accord avec elle-même là. Une personne qui se dit, bon. Si je veux vraiment me poser aux côtés de la personne, bon, quelle est la première chose que je dois faire? Bon, je dois communiquer plus. Il faut que je sache, tu vois, dans quelle direction l'autre part. On a une personne très intéressée par vous, une personne qui est en train, on va dire ça comme ça, de mettre son plan en action, histoire de voir ce qu'elle pourrait faire ou comment elle pourrait faire, tout simplement pour que vous puissiez partir vers un engagement stable. On a le bonheur, on a l'homme, on a le retard et on a la naissance. Et on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où pour certains, soit c'est une personne que vous connaissez depuis très récemment, mais pour d'autres ici, pour moi, ça c'est une nouvelle personne. Hein. Mais c'est une personne en réalité qui, c'est la personne qui prend le temps, tu vois, comme de se construire ici. On nous parle d'une personne qui n'a même pas d'enfant, tu vois. Que ce soit un homme ou une femme ici, on a vraiment cette impression que non, c'est la personne qui n'a pas, non, c'est la personne qui n'a pas cherché, hein, à proprement parler. Je préfère te dire, la personne n'a pas cherché à se construire. La personne n'a pas cherché, tu vois, comme à faire des enfants, à se marier, à se mettre en couple, j'ai envie de dire à tout prix, non. On a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, le besoin se fait de plus en plus ressentir. On a l'impression qu'avant, ce n'était pas forcément une priorité. Non, ce n'est pas forcément une priorité. Ce n'est pas forcément quelque chose, tu vois, qui. Non, une personne qui pouvait vivre sans ça. Et puis plus le temps passe, plus la personne se dit, ouais, mais si moi je commence pas, tu vois, comme à faire le nécessaire pour avancer, écoute, je risque de rester très longtemps dans ça. Si je ne fais pas le nécessaire en réalité pour me trouver une personne avec qui je pourrais ben, me poser, pas forcément des enfants, hein, vous connaissez déjà, mais une personne avec qui ben, je pourrais me poser, une personne bien, ben écoute, ça ne le fera pas du tout. Il y a une personne comme ça qui arrive sur ton chemin. Donc c'est la personne qui arrive. C'est la personne qui sait ce qu'elle veut. Pour certains, pour moi, c'est sûr, vous l'avez déjà rencontrée parce qu'elle se dit déjà, tu vois, bon, il faut mettre plus de communication. Si je veux faire avancer la situation, il faut que je sache, moi, dans quelle direction tu pars. Donc, c'est une personne que vous connaissez, mais depuis. C'est récent. Ça, c'est récent. C'est pas une personne que vous connaissez depuis des années. Et on a l'impression ici que c'est une personne qui se dit, bon, j'espère que tu es sur la même longueur d'onde que moi. J'espère que tu auras envie, tu vois, comme de construire un foyer ou tout simplement de t'intéresser à moi. Parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation où, je vais pas te mentir, on a l'impression que c'est la chose la plus difficile à faire pour cette personne. Toi, tu peux lui parler de travail, parle-lui d'argent, parle-lui de matériel, parle-lui de carrière, de choses comme ça. La personne s'est que focalisée sur ça. Et puis maintenant que la personne, tu vois, elle a sa stabilité, elle commence à regarder dehors, tu vois, ben, à l'extérieur, elle te voit passer, elle se dit, ah, là, cette personne-là, tu vois, elle me tape dans l'œil, on pourrait éventuellement faire quelque chose ensemble. Donc c'est la personne en réalité qui, dans un premier temps, elle risque de rester un peu floue concernant ses intentions. Non, je te le dis, hein. Ouais, elle va pas te dire tout de suite, bon, moi, si je vais, si je commence à essayer de faire des rencontres, bon, c'est pas pour regarder Netflix, tu vois. Non, je veux du sérieux, mais c'est la personne en réalité qui, on va dire que c'est une personne un peu stratège. Pour moi, c'est la personne qui met toutes les chances de son côté pour que ça puisse fonctionner. La personne en réalité qui, moi j'ai pas envie, tu vois, comme de m'investir dans quelque chose et puis ça se termine par une séparation. On a la solitude. Je connais la solitude. Hein? Je sais que c'est quelque chose qui peut être très déstabilisant, surtout en hiver, elle dit la personne. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où, limite, hein, c'est le dernier hiver que je passe seule. Et limite, hein, si tu décides, tu vois, comme de marcher avec, bon, pour moi l'hiver, il risque ou elle risque de ne pas forcément le passer seule, mais. On a une personne qui ne veut plus de gens, de situations, une personne qui ne veut plus se retrouver. Limite, hein, je ne veux pas que 2024 arrive à la même période. Moi-même, je suis dans la même situation. Ça ne va pas le faire. On a une personne, bien sûr, ses appuis. C'est fou, hein, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait tout sur le tas. Tout sur le tas. Si je me suis décidée sur le tard, me dire ce serait bien, tu vois, comme de m'engager aux côtés d'une personne. Je me suis décidée sur le tard, me dire éventuellement faire des enfants, ça pourrait être quelque chose de bien. Hein?
Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où la personne, elle te choisit en fait. Donc c'est la personne qui peut, pour certains, je préfère vous dire, elle peut déjà vous avoir à l'œil, la personne, hein, mais c'est la personne qui n'a pas bougé, tu vois. Non, tu fais ta vie, je fais ma vie. Peut-être vous vous côtoyez même, vous savez même pas. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Et puis c'est la personne qui se dit, bon, ok, on passe à l'action. On propose une rencontre où, pour certains, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà et c'est une personne qui va continuer sur sa lancée, son objectif. En réalité, c'est que tu ne sois pas dans les doutes et dans les hésitations. Son objectif, c'est que tu arrives à voir, tu vois, à travers ses actions, hein, que c'est une personne qui... Maintenant, j'ai le temps, en fait. Avant, je n'avais pas forcément le temps de me poser sur l'amour et toutes ces choses. Avant, j'étais beaucoup plus, comme je te disais, hein, c'est une personne qui était beaucoup plus construction. Mais maintenant que tu es là, maintenant on est là, si tu me choisis, on peut faire quelque chose de bien. C'est pas la personne pressée. C'est pas la personne qui va te pousser, tu vois, comme à faire des choses à tout va. C'est pas la personne qui va dire, allez, c'est vendredi ou c'est mort entre nous, non. On a la personne qui te laisse un temps, tu vois, comme d'adaptation, mine de rien. On a une rencontre, on a un changement positif, on a une cassure, on a une femme, on a le travail, on a la jeune fille. Pour certains ici, c'est une personne que vous côtoyez dans votre professionnel. Pour d'autres, en réalité, c'est quelqu'un qui, bon, écoute, pouvait côtoyer des personnes un peu comme ça, en tout cas une personne un peu comme ça. Et c'est faux parce qu'on a l'impression que c'est le fait de côtoyer cette personne-là qui lui a donné envie, tu vois, de se construire. Ouais. Et quand je te dis de se construire, c'est que la personne en question, tu vois, elle a des enfants. Donc c'est la personne qui, tu vois, la personne, elle a déjà vécu une vie, tu vois, il y a déjà eu un passif avant ça. Donc du coup, ça lui a donné envie d'aller dans cette direction, ça lui a donné envie, tu vois, de se lancer, mais pas forcément avec cette personne-là. Écoute, ici on a une personne qui arrive avec calme, une personne qui arrive avec bienveillance, une personne en réalité qui... Je veux tout simplement que ça fonctionne et je veux tout simplement, surtout, que tu décides de t'intéresser à moi, je sais pas pourquoi. On sent que c'est la personne qui a un peu peur, tu vois, et que j'ai peur de ne pas te plaire, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Tu verras ce que tu en feras. Hein. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.